Bonjour à tous, ici Chips et Noix. Moi c'est Chips et je suis avec Noix. Comment ça va Noix? Super! Alors, bon, aujourd'hui, petite solo queue des familles entre gros top et low qui envoie du pâté de campagne, comme on dit chez nous. Donc voilà, c'est parti, on a... De la compo gaulerie. Ouais, on a un Tryndamere, c'est pour ça en fait qu'on l'a pris celle-là. Moi aussi, parce qu'il y a Rengar, Zira, ouais, Jace. Ouais, il y a du... Bon, Jace, ça commence à devenir oui, commun. On n'a pas eu le temps de... On n'a pas fait de vidéo sur Jace, je crois. On n'a peut-être pas eu le temps de l'apprécier à sa juste valeur, effectivement, mais entre autres, Soaz, là, qui joue au Blitzcrank, la le plus exploité au gros niveau, et Dairus aussi, très récemment, la sortie, est très bon avec. Je dirais que c'est les deux joueurs qui m'ont marqué avec ce champion. Et c'est un champion qui est très fort pour nous. Oh non! Allez, petit fail shake des familles, on est en solo queue, hein, on déconne pas. Et le fail hook. Et Metalis qui n'avait pas pris son spell, qui a du coup Valkyrie et Flash, bon. Et heal. Et heal. Donc vraiment là pour le coup, on a tout mis quoi. Bon, bah voilà, un petit départ solo queue agréable, hein. Un petit fail shake. Nice fail shake, ouais. Voilà, donc on a un Lee Sin jungle. Ah, Lee Sin, moi c'est le personnage que je joue plus en ce moment. Et qu'est-ce qu'il est agréable à jouer quoi. C'est tu sautes de partout, tu gank, tu fais des gros dégâts en early. Moi je joue Shaco en ce moment en jungle. Effectivement, je pense c'est plus ban. Ce n'est plus la priorité maintenant des gens en ban. Mais en fait, Shaco, si vous voulez un petit tips, et toi d'ailleurs, moi, tu t'es mis à rejouer quand je t'ai dit, mais mec, mais joue-le, c'est le perso qui se tombe le plus si tu sais jouer quoi. Et ça, enfin, franchement, en solo queue, mais... Tu fais un build à base de maillet gelé au bout du rouleau. Ah ouais, en plus, maintenant que ses rations est augmentée, ça fait qu'il est tanky, qu'il est efficace même en mid-game. Donc, voilà. Et en fait, après, à Shaco, tu joues au brain, quoi. Ouais. Enfin, c'est vraiment... J'ai un très gros brain. Regarde ça. Faut bien que ça compense, hein. et voilà, et Shaco, en fait, c'est vraiment une horreur. Si tu joues bien, si t'es fourbe dans ta tête, ce que tu es, Noix, je te connais, tu rends fou les mecs en face et vraiment, tu peux mettre la misère. Et en plus, si tu le prends sur des pics qui, en top lane ou mid lane, sont pas très mobiles... Ou pas très mobiles. Horreur, c'est une horreur. Et pour peu qu'il y ait un jungle en face qui soit pas spécialement rapide... Genre, tu le massacres. Ouais, non, mais c'est. Alors, faut ban Lee Sin. Hein. Ouais, Lee Sin, parce effectivement, ça fait mal à Shaco. C'est toujours super relou. Lee Sin, ça fait très mal à Shaco. Parce qu'à partir du moment où il t'a attrapé, c'est dur, quoi. Donc là, Bloss. Ok. Ah, c'est vrai qu'il y a un Blitz. Avec un Blitz, ça va vite. Avec un Blitz, tout va très vite en botlane. Metalix, en plus, C'est combien de fois qu'il se donne la Valkyrie, Flashin. Et là, il sait très bien, Soaz. Il sait très bien qu'il a plus rien. Kotengs qui rentre dans le tas avec son. Et en plus, Kotengs c'était level 2. L'embrasement. Le kill qui est pris par Enraged. Et là, duel de support. Le problème, c'est que c'est Kotengs qui a pris le kill. De son côté, donc, avantage à la botlane bleue. Metalix, à mon avis, il est parti pour une fail game. Hein. Ah, il est parti pour envoyer du très très lourd, effectivement. Alors, on a au slot à la Zyra. Zyra. Je sais pas, j'imagine qu'en anglais on dit Zyra. Bah, mais... Je dirais Zyra. Mais on peut dire Zyra à la franchouillarde, quoi. Gamble. On a un gank au top. Alors Fafner qui a loupé son cul, qui utilise sa trompe, sa fracture, utilisation de la purge là. Flashin ne l'a pas beaucoup les tapis. Les malades, Rengar qui punit complètement. Attention, le Jace. Attention, il va y avoir du jump, il y a le shield et il est pas passé par les fourrés. Un petit poulet, mais ça passera pas. Attends, il a son normalement, il a son Les bolas, mais je crois qu'il va se faire. Le cul. Le red buff qui prend le kill. Il y a un petit coup de ce creep là. C'est terrible la solo queue, j'adore ça. Quoi. C'est toujours très croustillant d'action incroyable. Soaz qui fait check là, qui se fait totalement cesser. Kotengs qui a pris de la lame du zélite. Metalix qui jump in. Ils sont en train de péter un câble dans cette game. Ah ouais, non, mais là c'est du grand jeu. C'est du grand spectacle. Metalix qui se fait chase, qui prend pas mal de dégâts et tentative de touche de la part de la lame du phénix de Enraged. Ça ne passe pas. Enraged qui, qui plaisante pas en solo queue, qui sort sa Leona. Hein. Leona Corki, ouais. Ah, voilà, donc on ne rigole pas. Don't mess with the Enraged. Enraged qui a participé à la fameuse interview la plus drôle de notre chaîne YouTube où on vous met un bêtisier à la fin et on a mis une demi-heure à faire cette interview. Ouais, c'était assez cocasse. On a mis 20 minutes. Oh. Alors, Jace, un truc qui est gêné avec Jace, c'est que c'est un perso qui peut. Enfin, qui a une capacité de harass, d'engage et de disengage grâce à son portail
et son quatrième sort qui lui permet de switch de stance. Là, tu penses qu'il est dans la merde, mais non. Bah non, parce que voilà. Tac. Ah bah... Oh bah. Rien du tout, en fait. Rien du tout. Il a pas du tout pu s'en tirer. C'est bien joué. Carbono, je crois, il a utilisé son... Carbono, ancien gros jungler de team espagnol. Et là, je sais pas trop ce qu'il est devenu, mais à l'époque, je me souviens en plus de sa Riven Jungle. Pareil, il maxe le Roar. Ouais, bah comme quoi, écoute, je dois être le seul débile à maxer le Q pour faire plein de dégâts. Moi, quand je gank, je prends le kill avec Rengar, c'est ma philosophie. Parfaitement compréhensible. Bah écoute, on est dans solo Q, hein, ne plaisantons. D'ailleurs, je suis tombé avec quelqu'un qui nous connaissait, qui m'a vu jouer Rengar. Et oh, Bloss, c'est un fou. Tu ne 1v1 pas un Lee Sin quand allez, tu es au même level que lui. Et oh, joli. Bien joué, Bloss. Joli bien joué. Shield, mais là, il est un peu dans la mélasse. Il a plus son shield. Attends. Oh, attention, il y a l'arrivée de Vegetali qui est niveau 4. Est-ce qu'ils vont chase? Carbono va peut-être tenter quelque chose. Ils vont le brain. Il va ici. Il faut qu'il cale un cul. Oh, et là, Carbono. Ça brain, ça brain. Il s'est fait bait. Oh, embrassement et Vegetali qui prend le kill sur Carbono. Il s'est fait vraiment bait. Outplayed. From A to Z, comme on dit en anglais, tout à fait. Et mais là, je sais pas, il est. Bon, c'est de la solo queue. Il a tenté de prendre son kill. Ah, c'est animé, hein. Ah ouais, c'est une game solide, quoi. 4 partout à 6 minutes de jeu. Attention, joli jumping de la part la de. La Valkyrie. Waouh, ils ont tout mis. La Valkyrie, ouais. Liquidite, l'Exhaust. Ils ont tout balancé. Il y a pas de heal. Il y a pas de heal. C'est ça le truc. Est-ce qu'il a claqué son heal? Il a encore son heal et son flash. Il y a pas de heal et c'est compliqué de out Arras un Ezreal. Tu aurais pu essayer de joli hook, le bras chargé. Et il avait pas le cooldown. Il avait pas utilisé pour ok. Fais voir un peu juste Kotenks. Voilà. Ah ok, bah lui il max ok. Parce que ça c'était très courant récemment. Alors, Riot a voulu rééquilibrer ça dans le dernier patch. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, ouais. mais tout le monde EP flux essentiel en fait, parce que bah, tu harasses à travers les creeps et en plus ça fait un debuff d'attaque speed. Et donc bah, quand tu trades des mages en botlane, bah, c'est génial quoi. T'es pas gêné par les creeps pour Arras. Et puis en plus, quand t'es là en 2v2 à auto-attaque, ben, le flux essentiel fait un gros taf. Mais là, du coup, Kotenks ne prend plus cette option. Yep, alors niveau farming, comment ça se passe? 38 à 40 en haut, 58 à 52 au milieu, donc tout va bien pour l'instant, et 42 à 45, en fait, c'est assez équitable. Oh, et la jolie bait de la part de Soaz, il a donné fin à la bot lane des rouges, là. C'est dommage, le gant, quand il n'y a pas la décarry sur la lane. Ouais, ça peut passer, hein, ça peut passer, mais avec un Lee Sin qui a le stuff. D'ailleurs, Lee Sin a fait d'énormes dégâts. Il est très bien parti. Il avait pas le raid. Ouais, c'est vrai qu'il avait pas le raid, mais là, il est très bien parti, le Lee Sin, et à tel point qu'il pourrait même Oracle. Mais après, on est en solo queue, donc l'Oracle, on va dire, c'est vraiment un must-have en team maintenant. Tu joues plus un early game sans Oracle. Hein, à tel point que j'avais lu une interview de Diamond Pros qui disait sur certains personnages, ben, l'Oracle, c'est un core item en fait. C'est, sur certains junglers, tu ne peux pas te passer de l'Oracle. Tu dois jouer avec l'Oracle pour être utile dans la partie. Sur Fiddle. Bah, c'est vrai que sur Fiddle, par exemple, c'est pas trop le style de personnage de Diamond. Diamond, il aime bien jouer des bruiseurs, quoi. Dans tous les cas, c'est. C'est les tanks, c'est pas trop son truc à Diamonds. Lui, c'est plus l'agression, le counter jungle, provoquer des 2v2, des 3v3, dans lesquels bah, son briseur va apporter les dégâts qui vont faire la différence, quoi. Bah alors, Jace, parlons-en, Jace. Bah, Jace, écoute, personnage très fort, qui en général, sur la top lane, tu restes, bon, bah, comeback en arrière. C'est bien cette fonction. Ah ouais, c'est très très bien, effectivement. Alors, Leona qui est là, Metalix n'est pas niveau 6, notons-le. Qu'est-ce que ça va donner? Tac, tac. Et Kotenks. Oh, Kotenks qui a pris tellement de dégâts qu'il s'est fait des pops. C'est vraiment affreux, Leona. Elle a quand même un CC, une capacité de CC extraordinaire. On a un décalage de Zira. Attention, tac. C'est quand même. C'est pas facile à gang. Oh, Bloss qui prend tons of damage. Qui va se faire kick-in. Et il a utilisé son ulti là. Attention, oh, Fafner qui a pris l'aggro de la tour. Et Carbono va sans doute le sanctionner. Il jump dessus. Il avait utilisé son ulti. Et le red buff risque de faire la diff. Pas. Attention, par contre, Bloss à pas être greedy. Faut pas retourner là-dedans. Parce que là, tu te prends le petit shoot. Non, c'est bon. Ils vont pouvoir le brain. Jump in. Il utilise ses bolas. Mais Bloss snap. Ouais, il a aucun intérêt à y aller. Il a plus d'ulti. Et en fait, ouais. Donc Jace, en général, tu restes sur ta top lane, tu farmes en position range, bah parce que tout simplement ça te donne un avantage sur à peu près n'importe quel top quoi.
normalement les tops sont au corps à corps. En plus, le fait d'être, d'être en range, ça te permet d'utiliser très très vite ton, ton portail qui donne un boost de speed qui est quand même colossal. Et qui donne surtout une attaque inévitable. Mm. Et ouais, on va avoir un dive. Qu'est-ce qu'il a fait, la blouse ? On va avoir un dive bon. De la part de Carbono. C'était un bait pour Carbono. Carbono qui arrive, qui utilise ses bolas. Et le bump de la part de Vegeta League. Alors, ça aussi, ça c'est pour moi un spell qui rend Jayce très fort en top lane. C'est son bump qui permet bah, De vivre. De disengage, tout simplement. Et notamment, c'est très fort contre Darius parce que Darius il a qu'une seule façon de faire des dégâts, c'est d'arriver au corps à corps, notamment contre un Jayce. Et dès qu'ils utilisent son grab, bah toi tu le bump. Tu le bump et tu dis ciao. Voilà, quoi. Tu mets ton petit portail, tu cours et tu le blastes. C'est ça. C'est, donc moi pour moi, Jayce est un très bon pick, notamment contre Darius. Faut bien le jouer, faut garder son sang-froid. Mais normalement, Darius ne peut pas rester très longtemps au corps à corps contre un Jayce. J'ai un Draven contre Darius en solo queue hier. Ah ouais. Mon Draven a fait 0-11. J'étais ouf. T'as dû apprécier le spectacle. Ah, voilà, je crois que je suis à 10-2 défaite. Bah ouais. Je pense que Draven en top lane, c'est un peu limité par, oui. par son manque d'escape, quoi. Qui est, c'est dur, quoi. Enfin, c'est dur. Je pense vraiment qu'il n'y a pas d'autre mot. Et on a une invade là, de la part de Lee Sin qui a voulu aller un peu checker. La bot jungle. Ah, il l'a fait, rouges. Le collier dedans. Lui, il l'a fait, mais je pense qu'en solo queue, ça se justifie énormément de le faire. Ulti de la part. Procelot qui a évité l'ulti de Orianna. On va revenir en arrière parce qu'il y a eu un kill bot noir dans cette game très animée. Alors, ça sent. Ils sont tellement en train de fail en bas. Oh, Metalix qui a. Ah, la Valkyrie, ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et forcément, Metalix ne peut pas échapper à la mort. La Valkyrie fail, ça fait toujours très mal. Et ça arrive très souvent en fait. Je sais pas si c'est fail, on va dire que c'est Soaz qui a bien fait son truc. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en gros, t'actives ton truc directement au moment de l'engage et ça arrive très souvent. Ouais. Par exemple, ça arrive aussi avec des Ezreal, etc., qui fail leur blink. Et vaut mieux attendre de se faire son, faire ta Valkyrie après. Unrated qui s'est vraiment. Qui a pris des risques. On reviendra en haut. Parce que voilà. On va revenir en arrière. Alors là, c'est n'importe quoi cette game, ça bouge de partout. Et là, on a 1v1 entre. Ouais, alors c'est vrai que Lee Sin est excellent en 1v1, mais franchement, enfin, Rengar, c'est très très dur de le 1v1. Et là, voilà, il s'est passé. Il a fait son double cul. Voilà, le double cul. C'est. Fait, voilà, quand vous êtes à 4 stacks, vous lancez votre attaque, ça vous rajoute un stack, et en fait, le coup bonus à 5 stacks de Rengar n'est pas le même que le coup bonus à 4 stacks. Et donc, vous pouvez réactiver votre coup à 5 stacks. Et il y avait une vidéo, apparemment, ça avait été patché, enfin, avant qu'il sorte en bêta, une vidéo où tu vois un Rengar qui arrive et qui prépare ses 4 stacks, et au niveau 1, il one-shot un Lee Sin. Et c'est vrai que. Mais c'est stop, pas possible. Stop, quoi, là. Sans déconner. On peut pas parler tranquillement. Unrated, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Ah, il a encore grid, quoi. Non, Christophe. C'est Christophe. Christophe, arrête quoi, genre. Dans la vie, c'est Christophe. C'est Christophe. Voilà, un petit kill dans l'escarcelle pour Kotenks. Mais effectivement, on avait évoqué le truc sur ma vidéo avec Rengar. Mais en fait, le double Q de Rengar lui donne un DPS qui est juste, mais craqué quoi. Ouais, c'est pour ça en fait que maxer le Q, c'est rigolo. Bah oui, c'est pour ça que je le fais. Et en solo coup, je pense que c'est quand même. Très viable, très après, fort. Carbono il fait quoi là? Il est toujours parti sur l'Aurore quoi, et après les bolas. Alors ça par contre, ouais, bon. Tanky style. Ouais, je sais pas, enfin les bolas, ça a moins de ratio AD, ça fait moins de dégâts, et ça, enfin, ok, ça slow plus, je crois que ça slow plus par, fais voir, je crois que ça slow plus par, ouais, ça slow un peu plus, mais franchement le slow de base il est à 50%, c'est gigantesque déjà. Et Ocelot qui est pris à partie là, qui arrive à brain l'ulti de Gamble, mais ça ne suffira pas, il va quand même mourir. Paf, voilà. Alors ouais, donc Lee Sin, moi, c'est un personnage en fait en 1v1, en early game, il est quasiment injouable. C'est-à-dire que son Q lui donne un tel supplément de DPS que voilà, genre tu peux rien faire quoi pour l'éviter. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une... Alors,
Et Soaz. Oh là là, Metalix. Oh, ah, le génie. Ah, c'est un génie, Soaz. Alors là, sur le coup, le franchement, génie. C'est vraiment bien joué, quoi. Hier, d'ailleurs, j'ai fait une game avec Blitzcrank qui est en fait une game où j'ai réussi tous mes hooks. C'est jouissif. Ah oui, c'est exceptionnel. Oh, attention, ulti de la part de Leona, ça touche. Et Fafnefer qui va se faire dive. Verbono qui il va se fait, quand il se fait même slow. Crever. Oh, oh, oh. Il va essayer de gamble, faire un gamble, peu de gamble, cheating. Gamble. Ça passe, ça passe. Oh là là. Oh, ça passe. Oh là ça là. Passe. Oh, génie. Oh là là. Non, double kill. C'est le suicide à la Tekken, Noah. C'est le... Oh, t'as l'épée qui est partie. Il lui a lancé avant de crever son épée entre les deux yeux. C'est à la Tekken. Et du coup, bah, la botlane Soaz Kotenks qui en profite pour enchaîner sur un Drake. Et 19,8 à 19,7K. Ah ouais, c'est à... Et 10 kills partout. C'est une game extrêmement serrée. Un petit ulti d'Ezreal, ouais. Ça aurait été marrant s'il avait style l'écrip au passage. Ça aurait été assez drôle. Et le premier Drake de la partie qui va à l'équipe bleue. Voilà, Kotenks qui va enchaîner sur un red buff. Et au slot qui avait pas beaucoup bougé de la partie. Et voilà, la première action où il meurt. Alors là, ça snowball de partout, tac. Et Zyra qui est un excellent farmer. Oui. Qui farme très vite l'Everest. Là, c'est très facile pour elle. Qui arrase très bien. Plante, hop, route, machin, et c'est bon. Ouais, voilà. Elle a max quoi d'ailleurs? Ouais, normal. Ouais. Normal, normal. Mmh. Donc Zyra qui a un super pic, moi, je trouve. Hein. C'est un pic ouais. que j'ai passé, qui est maintenant balanced. Avant, il était complètement OP. Ils ont fait le nerf adéquat. Ouais, et certaines équipes... Ah, allez, et il y a Rengar qui va arriver. Il n'utilise pas son fufu. Il un pas petit son coup fufu. De bolas, les bolas, que voit votre vue ouais, d'elfe. Mais full slow, quoi. Il peut rien le faire du tout, rouge, le pop végétal. Le sang a dû couler cette nuit. Les boucliers seront fracassés. Et Fafner qui va gang... Oh, ah, il a pas eu le temps, Bloss. Il a pas eu le temps. Oh, il s'est fait bête, Carbono. Il a voulu choper Lee Sin. Et là, il s'est pris un peu tout. Oh, double kill. Double kill. Ça dit tellement. Il aurait pu le laisser, celui-là. Hein. Il aurait un pu peu le d'overkill, quand même. Ouais, mais moi, je fais pareil quand je joue Lee Sin. Enfin, t'es en solo queue, t'es en solo queue. C'est vraiment... C'est le cul. Avec Nocturne, je laisse les kills. Tu laisses les kills avec Nocturne, mais Nocturne doit être un des champions qui steal le plus de ouais, kills dans affreux. La jungle. C'est vraiment affreux. Tu gankes avec plein de bonne volonté et tu t'aperçois que t'as pris tous les kills. Ouais, ah, et après, t'es dans l'obligation absolue de carry, quoi. Ouais, et quand ta team est à chier... Et après, le pire, c'est qu'ils peuvent t'opposer l'argument, mais Nocturne, tu as pris tous les kills. Oui. Et du coup, t'es là... C'est pas faux, c'est mais pas bon, faux. C'est pas ma faute, quoi. C'est pas ma faute à moi. Lolita. Et ouais, voilà. Donc là, un petit blue buff pris pour Gamble et une game très animée, nous. Une game de solo queue comme je les aime, quoi. Et donc Zyra, souvent qui. Oh, cadeau, gros slot. Oh, et du coup, c'est une rétine qui paye les pots cassés. Oh, l'ulti de Zyra, c'est le bordel absolu. Ça part de partout. Végétal et Kid Shave. Une rétine et qui le explose. Pauvre rétine, c'était tellement. Il avait rien demandé, quoi. C'était tellement pas destiné pour lui. Ah là là, ah, c'est dur. Et la tour qui va tomber. Ouais, du coup ça snowball du côté de l'équipe bleue. Et donc Zyra, Noah, qui est un champion en général, qui est pas mal utilisé dans les compositions double AP. Les compositions double AP qui sont vraiment à la mode maintenant avec Rumble, Vladimir. Ah ouais. Et une compo genre Zyra, Rumble, c'est infâme. Le mec qui a le malheur de se retrouver au milieu de l'ulti de Zyra, il se fait... Et défoncer. D'ailleurs, ça a été utilisé par les Fnatic contre ouais. les M5 pendant les qualifications Rumble, européennes. Ouais, il me fait craquer, il est tellement surjoué. Ouais, et pourtant, il a été nerf après son énorme up qui en avait fait un perso complètement craqué. Mais son ulti, il reste broken. Bah ouais, son ulti fait vraiment la différence. C'est pour ça qu'en général, tu le prends sur un mid qui a dû cesser, genre une Orianna ou un... Alors, c'est les Dignitas, ils font beaucoup genre Rumble... Rumble, Gragas, Karner, et en fait, ça permet à l'ulti de Rumble d'être scandaleux. Bah, d'être super efficace, quoi. Il est super effective. Et Soaz qui arrive, l'attaque. Alors attention, on va essayer de pas louper un kill sur cette bot lane. Ça va bait, ça bait. Ouais, mais attention, il pourrait mourir avant l'arrivée salvatrice de Soaz là. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller là-dedans. Oh si, mais si. Metalix qui arrive à s'en sortir. Mais attends, est-ce qu'il y a un ulti sur... Il y a bientôt l'ulti sur une rétine, hein, faut faire attention. Pendant qu'au milieu, il y a eu un kill, allez hop, le petit retour en arrière, il y en a deux un peu partout. Bon, on va suivre le kill là, attention, au slot,
qui n'arrive pas à placer son ulti forcément. Et ouais, là tu t'es fait bait. Gros Celote qui tombe là-dessus. Qui survive, c'est bon. Attention, Kotex qui se fait choper. Kotex. Denretid qui est revenu. Les gros dégâts, le doublé qui est fait pendant Commit. Ça continue à se battre. Ezreal qui tombe. Et Rengar qui doit commencer à avoir des stacks. Non, 2 en fait, il fait que crever. Ouais. Le pauvre Rengar, effectivement. Non, 6, 5, 2. En fait, il l'a pris. En fait, il meurt beaucoup. Attention, Blast, qui a utilisé son ultime pour parer les coups du cul de Fafnir. Oh, le génie! Le shield! 4 secondes. Les bolas. Quand même un génie. Hein. Enfin, il a été. Mais Blast avait bien joué le coup parce qu'il a. Il a encaissé les dégâts de l'activation du cul grâce à son ultime et ça a pas suffi, quoi. Ça a pas suffi. Non, en tout cas, là, une game qui est tranquille, farm. En haut, 126 creep, qui a pas réussi à votre farm. Allez, il a regardé Chips et Noix. Ma vidéo a été vue jusqu'à l'autre bout du cosmos, c'est sûr. Il a regardé Chips et Noix Carbono. C'est ça. Il a fait le Bruta. Il a fait le bon Bruta des familles. Bon, maintenant, alors, Carbono, il manquerait plus que tu as le A. Le Bruta sans le cul, j'ai du mal quand même. Ouais, je sais pas. Moi, vraiment, sur le cul, je prends vraiment le A, quoi. Mais surtout dans l'optique où il est parti. Tu vois, dans la game qu'on a commenté avant, Diamonds, il était parti. Sur Tanky, genre visage spirituel, etc. Et là, je trouve que ça se justifiait vachement son choix. Mais là, du coup, Carbono, ouais, bon. Je sais pas, enfin. Tu pars. Il part pas tanky, autant jouer le full dégâts. En plus, t'es en solo queue, enfin, les optiques sont différentes. Hein. Là, quand tu prends Rengar en solo queue, c'est pour carry, quoi. C'est un jungler, pour moi, qui carry. J'ai des junglers qui tankent, il y a des junglers qui CC, il y a des junglers qui sacrifient pour leur team, il y a des junglers qui carry. Oui. Genre Shyvana, genre Rengar. Fiddle, oui, dans l'absolu, quand tu le prends, moi, en général. J'aime bien sortir le même nom à chaque fois qu'on parle d'un trick. Mais je pense que t'as pas totalement tort en disant que Fiddle c'est fait pour carry. Hein. C'est tellement all-in que t'as pas trop le choix, quoi. All-in, vaut mieux pas te faire counter. Ouais. Mais en solo queue, ça passe. Hein. Ça franchement, passe. En solo queue, ça passe. Oslot qui va sans doute se prendre l'ulti. Oslot qui overextend encore une fois. Oh, qui s'est fait sécher par la boule de l'espace de Végétalik. Et ouais, bien joué là-dessus. Et ça va peut-être enchaîner sur un Drake là, parce que je pense qu'il n'est pas très loin de voilà, repop. Et c'est long, bien long vu. Timer, oh là, ouais, solo c'est bien vu. Le Drake. Ça fait toujours. J'adore voir quand tu joues en solo queue et qu'un mec met le timer du Drake, me dire tryharder. Oh, attention, Kotenks qui a pris l'ultime de Leona qui s'est fait cesser tout d'aise. Par contre, ils ont pas vu qu'il y avait tous les copains à côté. Ils vont le payer très très cher. Le chase de Metalix. Bon, alors attends, Carbono qui va se sacrifier pour le bien de la communauté. Je suis pas sûr que son objectif de sacrifier, mais il va mourir. C'est Soaz qui prend le kill tout de même. Et là, on est parti pour un chase en sens inverse. Oh Végétalik, ça c'est vraiment bien joué. Bump. Est-ce qu'il y a encore l'ulti sur? Oui, il y a l'ulti sur Blos qui va peut-être pouvoir s'en tirer. Ouais, il tank un maximum sous la tour. Soaz qui est prêt à partir. Soaz qui se fait craquer son shield de mana. Végétalik qui fait du très bon taf, qui prend un maximum de kills. Soaz qui prend le kill sur Enraetid. Doublé pour Végétalik. Végétalik qui finit Metalix. Végétalik qui finit Metalix. C'est pas facile à dire comme ça, mais je l'ai passé. Et Oslot qui arrive. Ah ouais, c'est sûr qu'il a manqué à sa team, gros Oslot. Ouais, est-ce là pour va le se coup, reprendre un ulti lol. Oh, il prend tellement de dégâts et franchement. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Oh, mais il cherche les. Oh, t'es nul, Oslot. Oh non, franchement là. Non. Non. Pro Oslot. Franchement, c'était nul quoi. Mais bon. Il est dit et il est reconnu, il est de notoriété publique que Oslot en solo queue, bon, c'est, il est beaucoup moins fort qu'en team et qu'en compète. Et là, il fait des trucs. Ah, bon, c'est la solo queue, il s'en bat les couilles. Il est assurément très très bon. Le gros taunt. Non, mais franchement, il a complètement carry les SK Game. D'ailleurs, je lui ai rendu un petit hommage sur notre Facebook. Il a fait une game avec sa Orianna. Bon, aux IUM. En plus, j'aimerais dire que là, il la connaît, Orianna. C'est quand même moche de se faire défoncer par un perso qu'un de tes mains. C'est ça. Mais voilà. Mais bon, de toute façon, c'est de la solo queue. Et ça sert à rien de jouer de juger des joueurs pros sur la solo queue. Ah bon? Ils peuvent être nuls, comme ils peuvent être terribles. Mais je pense que de façon générale, pour eux, c'est un défouloir, quoi. Oui. Voilà. Nous on joue nos vies et eux ils font n'importe quoi. Enfin voilà, c'est on voit Soaz qui joue du Blitzcrank. Ceci dit, c'est agréable à jouer Blitzcrank. Hier je l'ai joué, je me suis bien marré, quoi. C'est mon personnage le plus joué, c'est vraiment.
En fait, quand j'ai la flemme de me dire je vais jouer ma vie pour une team d'enfoirés, je prends Blitzcrank pendant qu'en haut, bon, on a un Chase, ils vont se faire retourner, Carbo qui tente. Attends, attends, il essaie de s'échapper, hein, mais tu peux pas trop échapper à un Lee Sin quand t'es... Oh, il se fait kick, contre le mur. Il retourne aussi, il cherche. Attends, oh, c'est bien joué là. Soas, quelle interception de sa part, et Blos qui utilise son ulti, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va avoir le retour de sa trompe? Non, ça ne suffit pas. Et attention, joli ulti de la part de Gamble qui punit Procelot. Ça sent la fin quand même. Ouais, ouais, on sent quand même que peu à peu là ça commence à tourner à la solo queue stomp. Le moment où on s'amuse, on farm et on finit pas. Voilà. Et tac, c'est parti, gros push là de la part de l'équipe bleue. Ben, ils ont fait un carton monstrueux dans l'équipe adverse et ils vont prendre le premier inhibiteur de cette partie à 23 minutes de jeu. Est-ce que Soaz va toucher avec son hook? Non, il ne tentera même pas. De toute façon, il y avait Valkyrie, Kor qui n'attendait que ça. Bon, ils vont prendre l'inhib, ils vont back. Allez, Végétalik, back. Et alors là, est-ce qu'on va avoir un Ashor de la part de l'équipe là, rouge? Il est content d'avoir fait ça avec ses deux stacks. Il a même pas la première reward. Ouais, là t'es un peu blasé quand même. C'est un peu... Oh, Metalix qui s'est fait fumer! En référence à une vieille vidéo de Ponfétude. Fumise qui se fait fumer. C'est ça, exactement. J'avais adoré ce jeu de mots de Ponf. Et regarde Bloss. Ah non, il se fait... Oh, Carbono qui se fait cesser un peu. Ouais, il s'amuse, quoi. Oust, rentrez, faites votre bike. Oh, et Fafner qui est pris à partie, là, qui prend le slow. Carbono qui se fait kick. Ouais, Fafner qui avait pas envie de prendre le risque. Un petit back, un petit Nashor, on vient les emboutir une dernière fois pour le plaisir. Ouais. Et on a un stuff... Gros slot qui... Regarde le bug graphique. Ouais. On a des carrés rouges. Gros slot qui est un peu à la masse, là. 2-6-1, mais il a bien farm. Il a très bien farm. 8-7 Rengar. 8, ah, c'est à la vie, à la mort, quoi. Je prends un kill, je meurs, Et bah, c'est vrai que ça peut être un problème du personnage. Après, Rengar, c'est un personnage qui a besoin de snowball, quoi. Enfin, en tout cas, quand tu prends le bracelet, son collier plutôt. Le collier tribal. Ça fait très surfeur d'ailleurs. Quoi. Collier dedans, pardon. Ça fait très très surfeur. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Une vraie fausse dent de requin en résine. C'est ça. Et attention, Végétalik qui harasse un peu. Ouh! Oh, les dégâts qu'a pris Procelot. C'est assez violent. Faut dire qu'il a du stuff quand même, la Végétalik. Hein. Il a sa trinité. Ah bah, il a bien faim. Il a une BF glaive. Il a bien faim, en fait, pas tant que ça. Et regarde, il est pris à partie là, le copain Rating, mais ça va, il est tanky, tac. C'est vraiment affreux ce portail. Ah ben, pour moi, c'est le sort le plus fort de Jace. Le portail en général et le combo avec la boule le rend encore plus fort. Mais franchement, le portail en général, pour moi, c'est vraiment son sort le plus fort. Et d'ailleurs, j'avais bien aimé quand les TSM le jouaient, tu vois, parce que. Enfin, il l'utilisait à outrance. Genre, ils prenaient une team avec où ils avaient deux boosts de vitesse, je crois. Et plus un portail, ils avaient deux, ils mettaient deux Shurelia. Je crois qu'ils avaient Sona, boost, ça, ouais. Sona avec un Shurelia. Ils mettaient le portail et là, ils avaient une vitesse pour les engager. C'est horrible. Incroyable. Mais même pour la mobilité générale, pour le roaming sur la map. Hop là, Ah, il a réussi à s'en sortir. Il a pas pris le point chargé. Et Fafner qui le chase. Petit route là de la part de Ocelot qui permet de temporiser sur... Le chase de Gamble, et là ils ont l'air chaud, les bleus, pour en découdre, quoi. L'affrontement final, alors, le choc des titans. Qui va se faire choper? Oh là là, Ocelot qui se fait casser le boule, et là c'est parti, Fafner Air. Fafner Air qui chase un maximum, par Soas qui touche, avec, qui land, comme disent les commentateurs anglais, qui land sur le hook, et Blues qui est obligé de claquer purge. Ulti, tout ça pour s'en sortir. Et là, on a un rush des tours du Nexus. Non, est-ce qu'ils vont arriver à défendre les rouges? C'est pas sûr. Non, ils se font massacrer sous leur tour. C'est la fête. C'est le sacrifice c'est ultime. C'est l'équipe de la fin pour se faire plaisir. Et Bloss qui sera le seul demeuré vivant pour repérer les stats. C'est ça. Oh, même pas. Ouh, il s'est fait. Ah, il s'est fait fumer. Et voilà, c'est le Nexus qui tombe. Papa. Une game solo queue à spectacle comme on les aime, Noah. Avec un early game. De folie, disputer un truc qui n'a aucun sens en fait, et voilà, et un late game, enfin un mid game où on finit sur du gros stomp après un gros team fight. C'est cool. Voilà, c'est le genre de partie qui permet de poser son cerveau à côté, comme les M5. C'est cool. Sauf que les M5 le font en pré-made. Donc voilà, merci de nous avoir suivis et oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au Facebook, tout ça. À bientôt. C'est cool, à bientôt.